Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un bonnet qui a beaucoup de succès sur mon site. C'est un bonnet droit avec le dessus de la tête qui est fait en étoile. Alors, ce bonnet se réalise avec deux aiguilles. Je l'ai fait avec des aiguilles numéro 3 et donc la laine qui va avec. J'ai utilisé la laine cheval blanc. Ensuite, au niveau matériel, il va vous falloir quelques épingles assez longues, ça c'est important, pour tenir le tricot lorsque vous allez faire l'assemblage. Une aiguille auxiliaire pour faire les torsades qui sont ici. Des marquerants pour démarrer votre dessin et ne pas vous tromper dans vos points. Une aiguille à laine et bien sûr ciseaux. Voilà, nous allons tout de suite commencer les explications en sachant que vous avez la possibilité de le faire avec 3 torsions ou avec 2 torsades comme ici sur ce bonnet qui va être plus petit. Voilà, nous allons commencer tout de suite les explications. Voilà comment va se présenter votre bonnet lorsque vous aurez fini de tricoter la bande. Donc ici vous avez le bord où vous allez reprendre les mailles pour faire des côtes de 2. Là vous avez les 3 séries de côtes, pas de côtes mais de torsades qui sont faites. Donc là j'en ai fait 3 pour un bonnet enfant de taille à partir de 8 ans jusqu'à 12 ou 13 ans, voire même plus. Et ici vous avez le haut de la tête et en général c'est là que le problème se pose parce qu'on ne sait pas comment il faut faire les diminutions et les augmentations. Alors quand vous avez fait votre bande, il suffit simplement de la coudre en mettant bord à bord. Alors je vais positionner quelques épingles rapidement qui sont où ? Elles sont là, juste vraiment pour dire que ce soit une. Bon, c'est succinct ce que je vous fais, mais au moins vous allez voir comment faire. Ça va vous permettre de bien visualiser. Hop, encore une ici. Voilà, et voilà. Donc le bonnet ensuite se présente comme ça. Avec l'arrondi qui se fait voilà au niveau du haut de la tête. Voilà. Donc voilà, lorsqu'on le pose bien à plat, j'ai rajouté une épingle ici pour qu'il se tienne bien. Lorsque je ferai la couture, évidemment je vais resserrer ici le centre pour qu'il soit complètement fermé. Ou je mettrai un pompon, je verrai bien. Voilà. Je vais faire avec vous un autre bonnet pour une autre de mes petites filles qui est un peu plus petite, qui a 4 ans. Donc pour elle, je ne vais pas faire 3 bandes, mais je vais faire 2 bandes. Ce sera plus adapté à sa tête. Quoiqu'elle pourrait mettre 3 bandes aussi, mais enfin bon. Là pour la démonstration, que ce soit pour un bébé jusque 4 ans, je vais vous faire 2 bandes. Hein, et en même temps, donc je vais vous expliquer comment on réalise ce bonnet. Alors on commence tout de suite. Donc pour tricoter ce bonnet, j'ai utilisé une laine cheval blanc. Voilà, c'est la Babylux, j'adore. Donc j'ai choisi cette teinte rose, premièrement pour mes petites filles, en plus au niveau de la caméra, ça passe nettement mieux. Je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 3. Il va vous falloir une aiguille à torsade et si vous n'avez pas l'habitude de tricoter avec des motifs, il vous faut des marquemailles. Celles-ci sont très bien parce qu'elles sont très longues. Voilà, alors avant de commencer il y a un petit calcul à faire. Alors comme je n'avais pas le diagramme, j'ai compté les mailles à partir d'une photo en faisant quelques agrandissements et à partir de là je me suis fait mon petit dessin avec mes petites indications.
Alors, pour ce bonnet avec 3 torsions, 3 torsades, il vous faut 61 mailles. Comment j'ai calculé? Tout simplement parce que vous avez ici une bande de 5 mailles en droit. Ensuite, vous avez un jersey en vert, donc de 3 mailles. La torsade se fait sur 12 mailles, en sachant que vous faites une torsion sur 3 mailles. Une torsion qui va sur la droite et une torsion qui va sur la gauche. Et ensuite, vous avez encore ici 5 mailles en vert, la torsade sur 12 mailles, 5 mailles en vert, la torsade sur 12 mailles, nous sommes ici. Et ensuite, vous faites 3 mailles en vert, 3 mailles en droit, que voilà. Et ici, c'est l'augmentation pour le haut de la tête. Donc en fait, vous rajoutez juste une maille, hein, ici, et ensuite nous allons faire toute cette bande uniquement avec les augmentations qui sont ici. Ensuite, quand nous passons à la deuxième bande ici, vous continuez les augmentations de ce côté-là, mais vous faites une diminution à chaque rang et uniquement maille par maille, c'est-à-dire que vous allez voir, on ne va pas tricoter toutes les mailles ensemble parce que sinon vous allez continuer. Si vous continuez à tricoter cette bande, ça va vous faire un genre de feuille et là le bonnet ne sera pas bien droit comme ici, comme celui-là. Alors moi, comme je vais faire avec 2 torsades, je supprime 17 mailles et donc j'ai monté 44 mailles. Hop, mon petit calcul, il est là. Ensuite, une fois que j'ai monté mes mailles, alors attendez, hop, voilà, que voilà. Je prépare mes aiguilles, mes marque-mailles et mon aiguille à torsade. C'est important parce que on commence tout de suite le dessin dès le premier rang. Alors si vous n'avez pas l'habitude de vous repérer au niveau des dessins, eh bien ma foi, vous utilisez les marque-mailles, c'est très pratique. Alors, je commence. Donc vous commencez votre dessin avec 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors si vous ne savez pas vous repérer correctement dans votre dessin, ce que vous pouvez faire c'est poser un marque-maille ici. Voilà. Voilà. Ensuite, donc ça correspond à cette bande qui est ici, qui va vous faire le petit rouloté ici qui est là. Ensuite, vous faites 3 mailles en droit, non 3 mailles en vert, pardon. Donc vous ramenez votre laine devant vous. 1, 2, 3. Donc là, on va faire comme si je ne me reconnaissais pas dans mon dessin. Donc je repose un anneau. Voilà. Et là, nous allons commencer tout de suite le dessin pour les torsades. Alors, on ne va pas faire une torsade tout de suite. La torsade sera faite au bout de 4 rangs. Pour que ce soit... Alors, attendez, je vais vous prendre le motif. Le voilà. Alors, j'ai fait 4 rangs avant de commencer les premières torsions pour la torsade. Tout simplement pour que le dessin se pose bien. Et surtout, quand on démarre directement avec une torsion, c'est un peu difficile au niveau du tricot. Alors que là, si vous avez une petite longueur déjà tricotée, vous allez voir, la torsion va se faire beaucoup plus facilement. Alors, on reprend. Et donc là, maintenant, vous faites... 12 mailles en droit, donc je remets ma laine derrière, je fais 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais recompter. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà. Alors, tant que j'y suis, je mets mon petit marque-maille. Hop. Voilà. Ici, maintenant, vous allez faire 5 mailles envers. Donc, vous ramenez votre laine devant vous. 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Là aussi, vous mettez un marque-maille. Et voilà. Nous refaisons l'espace d'une torsade, c'est-à-dire 12 mailles. Donc vous remettez votre laine derrière le travail et vous faites 12 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là aussi, vous prenez un marque-maille, vous le mettez, et voilà. Quand vous avez fini vos 12 mailles pour la torsade, il doit vous rester 7 mailles, c'est-à-dire 3 et 3 et 1, donc ça c'est bon. Vous ramenez votre fil devant vous pour faire 3 mailles envers, 1, 2 et 3. Marque-maille, hop. Et voilà. Ensuite, vous ramenez votre laine derrière pour faire 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. Voilà. Et donc, la dernière maille ici qu'il reste va servir à ce qu'il va faire. Je vais poser, je vais vous faire voir. C'est la maille qui est le point de départ, voilà, qui est donc ici, qui est le point de départ des augmentations pour le dessus du bonnet. Donc vous faites 1 jetée et 1 maille en droit. Voilà. Donc si vous recomptez, vous devez avoir 62 mailles, ce qui est tout à fait logique. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ce premier rang, pour le deuxième rang, bien sûr, vous tournez vos aiguilles et vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc ici, on est sur des mailles envers, donc vous tricotez à l'envers. 1, 2, voilà. Ici, le marque-maille pour vous dire que vous allez changer de point. Ce sont un jersey en droit, donc des mailles en droit. 1, 2, 3. Là, vous êtes sur l'espace de la torsade. Donc, à l'envers. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'au bout du rang. On se retrouve lorsque j'aurai fini. A tout de suite. Alors le deuxième rang est fini, nous allons commencer le troisième rang. Donc pour l'instant toujours pas de torsade, hein. On va attendre d'avoir fait les quatre premiers rangs. Alors là vous recommencez toujours, hein, c'est pareil, vous refaites 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles envers. Ici, nous sommes sur l'espace de la torsade, donc vous faites 12 mailles en droit. Voilà, la 12e est faite. Donc vous retricotez les mailles comme elles se présentent. Là, nous sommes sur les 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et 5, les 12 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
et 12, 3 mailles en vert, 3 mailles en droit. Voilà, donc j'ai fini le bandeau du bonnet. Là maintenant nous allons faire le dessus de la tête. Donc au rang précédent j'avais fait une augmentation, donc vous refaites une jetée pour refaire une augmentation et vous tricotez les deux mailles comme elles se présentent. Voilà, là nous allons donc faire le quatrième rang et là vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. À tout de suite. Donc voilà ce que vous allez avoir. Ici nous sommes au quatrième rang, nous allons commencer le cinquième rang et c'est au cinquième rang que je commence les torsades qui sont faites ici. Alors vous commencez normalement en faisant les 5 mailles en droit, voilà, 3 mailles en vert et voilà. Donc c'est sur les 12 mailles ici que nous allons faire notre torsion. Donc c'est là où l'aiguille à torsade va venir jouer son rôle. Alors il faut savoir que, alors je vais reprendre le bonnet qui est déjà fait. Voilà. Dans la torsade, vous avez une torsade qui part sur la droite et une torsade qui part sur la gauche. Alors pour ça, c'est juste un jeu de... où vous mettez, donc ici les premières mailles vous les mettez derrière et les mailles qui suivent vous les remettez devant et inversement, les premières mailles ici vous les mettez devant et les autres derrière. Alors on va voir comment il faut faire. Alors vous prenez votre aiguille à torsade, les trois premières mailles vous les glissez sur votre aiguille. Je vais bien me remettre. Voilà. Vous les glissez. Voilà. Et là, vous allez tricoter les trois mailles suivantes. Une, deux et trois. Votre première torsion est faite. Et les mailles que vous avez glissées ici sur votre aiguille auxiliaire, eh bien, ma foi, vous allez les tricoter. Alors... une, deux et trois. Votre première torsion est faite. Vous voyez? Nous allons faire tout de suite la deuxième torsion. Donc vous reprenez votre aiguille auxiliaire. Vous reprenez les trois mailles, les trois premières mailles qui sont sur l'aiguille de gauche. Vous les glissez sur votre aiguille. Et là, l'aiguille, vous la mettez devant vous. Vous tricotez les trois mailles suivantes, vous reprenez votre aiguille auxiliaire et là vous tricotez les trois mailles qui sont dessus. Une, deux et trois. Et voilà, vos deux torsions sont faites. Voilà ce que vous allez avoir. Je vais vous mettre un petit peu plus près. Voilà. Alors on continue. Là vous êtes sur les mailles en vert. Donc vous ramenez votre fil devant vous, vous tricotez vos 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5, voilà. Nous sommes à nouveau sur l'espace de 12 mailles en droit, donc vous reprenez votre aiguille auxiliaire, les 3 premières mailles vous les glissez dessus, voilà. Vous mettez votre aiguille derrière, vous tricotez les 3 mailles, 1, 2 et 3, voilà, vous reprenez les mailles qui sont sur l'aiguille auxiliaire et vous les tricotez, 1, 2 et 3, voilà, la torsion est faite, vous reprenez votre aiguille auxiliaire, vous reglissez 3 mailles, voilà, là l'aiguille vient devant vous, vous tricotez les trois mailles suivantes, 1, 2 et 3, et maintenant vous tricotez
les trois mailles qui sont sur l'aiguille auxiliaire. Une, deux et trois. Voilà. On arrive ici sur les mailles envers, donc vous ramenez votre laine devant vous. Une, deux, trois. Ici, la petite bande de trois mailles en droit. Une, deux et trois. Et là, nous arrivons sur l'espace d'augmentation pour le dessus de la tête. Donc, vous faites votre jeté et vous tricotez les mailles qui suivent. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous continuez à tricoter les mailles comme elles se présentent sur 6 rangs, puisque là, il y a le premier rang, en fait 8 rangs, en fait, hein, si on rajoute, donc là, c'est le 5e, 6e, et ensuite, donc, vous continuez. Alors, en sachant qu'à chaque fois, donc ici, vous tricotez les mailles comme elles se présentent, et il faut savoir qu'à chaque fois ici, vous faites une augmentation, là, de façon à avoir 15 mailles. Donc on va se retrouver lorsque j'aurai fini cette petite bande, cette petite hauteur. Hein. Donc vous continuez, on va se retrouver là, ici, lorsque j'aurai fait mes 15 augmentations. Hein, donc on voit bien, vous avez les torsades qui se font. Donc là vous allez faire 8 rangs avec, en comptant la torsion. Et au bout des 8 rangs, vous recommencez donc une nouvelle torsion. Et là, vous continuez toujours vos augmentations jusqu'à ce que vous ayez 15 mailles ici sur ce côté. Donc, on va se retrouver lorsque j'aurai fait mes 15 augmentations et bien sûr, toute cette bande qui va avec. A tout de suite. Voilà, alors, j'ai fait mes 15 mailles supplémentaires ici sur le côté, qui donc sont le dessus du bonnet. Donc là, j'ai continué mes torsions, c'est-à-dire la torsade, les augmentations. Hein, j'ai avancé un petit peu. Donc au niveau de la bande, je suis ici. Voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on continue. Lorsque vous avez fait votre rang, on va recompter. Il y a bien 15 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Alors vous continuez à faire l'augmentation qui est ici, mais pour garder les 15 mailles, automatiquement il va y avoir une diminution ici de ce côté-là. Alors, donc vous faites votre jeté, vous glissez cette maille, vous tricotez l'autre et vous rabattez la maille que vous avez glissée sur celle que vous avez tricotée. Vous arrêtez de le rang. Parce que si vous continuez à tricoter ce côté-là, ça va vous faire un losange. Et il ne faut absolument pas faire ça. Donc, on arrête. Vous tournez le travail. Voilà. Et vous reprenez. Vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc, je vais mettre en pause et on va se retrouver lorsque j'aurai fait le rang. A tout de suite. Voilà, alors là j'ai fait l'aller, je suis sur le retour, c'est-à-dire sur l'endroit du travail. J'ai fini mon travail de torsade, je suis arrivée ici sur la petite bande de jersey en droit. Alors ici, nous avons toujours notre bande de points qui est sur le dessus de la tête. Alors le plus important, et ça c'est à vous de le vérifier à chaque fois, c'est toujours d'avoir 15 mailles. Donc 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14 et un 15. Alors, au rang précédent, vous avez vu, j'ai continué en faisant la jetée et ici la diminution. Donc, vous faites toujours votre jetée. Je vais peut-être diminuer un petit peu. Voilà. Donc, vous faites toujours votre jetée. Vous tricotez ici une maille. La maille qui sert de rabat, donc en fait c'est un surjet simple, vous la glissez sur l'aiguille de gauche, vous tricotez la maille suivante et vous rabattez la maille que vous avez glissée. Voilà. Donc si on compte,
Vous avez ici la jetée qui compte pour une maille. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 mailles. Le compte est bon. Alors lorsque vous avez fait votre surjet, surtout vous ne continuez pas, vous tournez votre travail. Et là, vous travaillez l'envers, hein, c'est-à-dire que vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc celles qui ne sont pas tricotées se retrouvent sur l'aiguille de droite, on les laisse en attente, et là, vous recommencez votre rang. Et voilà. Et voilà, et voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, je vais mettre en pause, et nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fini toutes les diminutions, en fait, et les augmentations en même temps. À tout de suite. Voilà, donc on va reprendre le premier bonnet. Donc on vérifie, j'ai bien mes 6 parties, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors avant de faire la couture, si vous ne savez pas tricoter en rond, moi je vous conseille de reprendre les bords ici maille par maille pour faire une petite bordure en côte de 2. Alors pour cela, eh bien ma foi, vous prenez... des aiguilles et surtout un crochet numéro 3 si vous ne savez pas reprendre avec votre aiguille, ça va vous simplifier beaucoup la vie. Voilà, donc là j'ai fait un zoom. Alors avant de commencer, moi je vous conseille d'attacher votre laine sur la première maille, ça va vous simplifier beaucoup les choses. Donc avec le crochet, vous tirez en prenant bien toutes les fibres, voilà. Faites un nœud débutante, on va corriger après, c'est pas grave, voilà. Alors, une fois que vous avez accroché votre laine, avec l'aiguille qui est là, bon, moi j'ai l'habitude de tenir mon aiguille sous le bras, donc ça simplifie beaucoup les choses. Alors on peut faire soit tout à fait au début du premier rang, enfin de la bordure, de la lisière, ou si vous avez peur de ne pas vous y retrouver, vous prenez dans la deuxième maille. Donc vous prenez ici, hop, et vous allez avoir une boucle que vous mettez sur votre aiguille. On reprend ici sur le morceau de maille qui est sur le côté et vous tirez une deuxième boucle et vous faites ça maille par maille. Donc là c'est un petit travail de patience, mais ma foi avec le crochet ça vous simplifie bien les choses. Donc à chaque fois vous tirez une boucle, donc ici il y a un nouveau rang. Vous passez sur le brin de laine qui est à l'extérieur, vous tirez une jetée, une boucle et vous la mettez sur votre aiguille et ainsi de suite comme ça. Donc là il y a quand même un petit moment à faire. Donc je vais mettre en pause et nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fini de mettre toutes les mailles sur mon aiguille. À tout de suite. Alors voilà, je viens tout juste de finir de reprendre mes mailles, je viens de les compter, il y en a 160 en tout, donc c'est voilà ce que ça va vous donner. Alors, si vous faites des côtes de 2, c'est parfait parce que les côtes se font sur 4 points, c'est-à-dire 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Si vous divisez 160 par 4, ça vous fait 40 dessins. Donc là, c'est parfait. Donc une fois que vous avez votre compte de mailles, eh bien ma foi, vous commencez à tricoter. Alors, si par hasard, vous avez trop de mailles, par rapport au nombre de côtes que vous souhaitez faire, à ce moment-là, surtout vous n'en laissez pas tomber une. Par exemple, je vais commencer. Alors, je vais mettre un peu plus. Voilà, je vais avancer. Voilà. Alors, si vous avez trop de mailles par rapport à votre dessin de côte, donc on va commencer par 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Et voilà, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Alors par exemple, donc comme je vous disais,
Si vous avez une ou deux mailles en trop, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que, donc là on est sur l'endroit, vous tricotez deux mailles ensemble et ça va vous faire une diminution. Voilà, alors on va se retrouver lorsque j'aurai fait quelques centimètres de côte. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai fait quelques rangs, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 en tout. Hein, ça vous fait déjà une belle petite bordure. Faut pas la faire trop grande non plus parce que sinon ça va vraiment retomber sur le front. Hein, parce qu'il y a déjà cette bande là. Donc il faut pas trop. Bon. Ensuite, là, mince, j'ai perdu une maille. C'est pas grave. On va la rattraper. Hop. Et voilà, ma maille est rattrapée. Alors maintenant, donc, je vais diminuer. Et il y a une petite attention à avoir quand vous diminuez des côtes. C'est-à-dire que bon, quand on démarre le tricot, on pourra avoir envie de tout diminuer en maille endroit, puisque bon, là on commence en maille endroit. Donc vous tricotez la première, vous tricotez la deuxième et vous rabattez la première sur la deuxième. On pourrait avoir envie de continuer. Je vais mettre un peu de zoom. Voilà. Alors, on pourrait avoir envie de continuer en maille endroit, mais là, je vous le déconseille. Nous arrivons sur des mailles envers, donc surtout, vous les tricotez à l'envers et vous faites votre diminution. Je ramène mon fil. C'est encore une maille envers. Donc là, je la fais en maille envers. Pour me faciliter le travail, hein, je remets mon fil derrière. Et voilà. Et là, je suis en maille endroit, je tricote la maille endroit et je diminue. Encore une maille endroit. Donc je fais ma diminution comme ça. Et là, je reviens sur des mailles envers, donc surtout je les tricote à l'envers. Parce que sinon, ça va vous faire un... Ça va détendre complètement la côte, alors que là, vous voyez, elle est bien resserrée. Voilà, on se retrouve lorsque j'aurai fini. A tout de suite. Donc ça y est, j'ai diminué, j'ai fini mes côtes. Et maintenant, nous passons à la partie la plus délicate, parce que ça peut vous saboter votre travail si vous n'arrivez pas à coudre correctement. Alors moi, j'ai utilisé des épingles très longues, qui sont très pratiques, et cela m'a permis de mettre bord à bord. Alors, en faisant cela, j'ai raccordé chaque dessin pour que la laine soit vraiment bien tondue, hein, que ça se passe bien. Alors, j'avais laissé un morceau de laine du bonnet quand je l'ai fini, qui est ici. Alors, il faut donc démarrer de là. Alors, pour... Je vais essayer de vous faire un zoom. Voilà. Alors, pour coudre, il y a deux sens différents au niveau de la partie du dessus de la tête. Alors, quand vous êtes sur des lignes verticales, vous passez votre fil entre... Ici, les dessins, voilà, vous reprenez l'autre partie et là, vous passez ici, et voilà, vous repassez votre aiguille là, pour repartir ici sur l'autre maille, voilà, toujours de l'intérieur, vers l'extérieur et vous sortez votre fil là pour le reprendre et ainsi de suite. Voilà ce que ça va vous donner. Alors je vais mettre en pause et puis je vais faire tranquillement toute la couture. À tout de suite. Voilà, alors là ça y est, j'ai terminé la couture qui est ici, qui est assez propre à mon goût. On voit, enfin là on voit le raccord hein, parce que je vous l'indique. Alors vous voyez, c'est l'intérêt de commencer
une torsade après quelques rangs, ça vous permet de faire un raccord quand même bien. Le voilà ici sur le dessus, ça ne se voit pas. Par contre, ici, il y avait un trou assez ouvert, donc qu'est-ce que j'ai fait? Aiguille fil que j'ai passé sur les mailles extérieures donc du trou, j'ai resserré un petit nœud et ensuite il n'y aura plus qu'à rentrer les fils. Voilà, ce petit bonnet est fait et je le trouve vraiment très très beau. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est sur le côté, sur le dessus, hop, le voilà. L'étoile est très sympathique. Alors, pour la bordure, elle est assez souple, elle fait 54 cm avec les côtes. Je vais mettre comme ça, on va mieux le voir. Si vous souhaitez resserrer un petit peu, vous faites comme je vous l'ai indiqué dans le montage des mailles, c'est-à-dire que vous réduisez. Vous pouvez réduire de 4 points par exemple, donc ça va vous faire un peu comme ça. Alors vous pouvez faire plusieurs réductions si vraiment vous voulez que ça serre. C'est à vous de voir. Voilà. Eh bien, j'espère que mes explications auront été claires, que vous arriverez à le refaire avec toutes les petites astuces. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir !